Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur une compagnie Firouze Ardennes Assaut. Et après vous avoir fait patienter sur le début de cette campagne et vous avoir pointé les quatre compagnies, nous pouvons enfin commencer la campagne à proprement parler. Ordre pour Captain Derby, compagnie D. Voici les nouveaux ordres. Élaborer et mettant en œuvre un nouveau plan de défense sur la région des Ardennes. La cible prioritaire est la crête d'Elsenborn. Il doit sécuriser ce champ contre l'offensive allemande. Donc c'est une carte de campagne, comme je vous avais expliqué. Et les petites croix symbolisent les divisions allemandes dans la zone. Donc s'il y en a une, c'est force ennemie normale. Deux, il y a le premier rang, deuxième, troisième, quatrième. Crête d'Elsenborn, tenez bon. Un grand nombre de forces allemandes, sous contrôle système Panzer armé, s'avancent sur Elsenborn. Sa ville tombe, les Allemands pourront traverser les Ardennes. Le reste de la Belgique continue vers les Pays-Bas. Maintenez Elsenborn à partir de position défensive de la crête à l'est de la ville. Pour vous aider, le 5e corps est prêt à vous fournir un soutien d'artillerie. Coordonnez-vous pour repousser les attaques allemandes. Une médaille sera accordée selon le nombre de fois où vous demanderez le renfort d'artillerie. Défendez les positions de victoire. Les Allemands nous ont repoussés sur la crête d'Elsenborn. Ils déversent un nombre gigantesque d'hommes et de blindés et ils y vont. Ils nous balancent tout de suite. La chance qu'on a, c'est d'avoir une ligne de défense bien établie qui les surplombe. Comme vous le voyez, le mauvais temps entrave nos avions, mais nous avons l'artillerie lourde qui pourra les aider dès que ce sera possible. Je vais être franc, nous avons du mal à tenir. Allez compléter les rangs et débrouillez-vous pour repousser ces boches. Dès que le temps s'arrangera, on leur enverra les forces aériennes. Bon bah très bien. La mission est claire. C'est une défense de position. Maintenant, il faut savoir que chaque armée a une force, chaque compagnie, de 100. Quand vous perdez des troupes et quand vous perdez des escouades entières, vous perdez de la force. Le but, c'est d'éviter de trop perdre de force, sinon votre compagnie sera annihilée et vous ne pourrez plus l'utiliser. Donc, c'est vraiment important de préserver ces hommes. La contre-attaque allemande a été rapide et mortelle. Se déversant dans les Ardennes, l'ennemi a repoussé nos hommes des villes jumelles de Rochrath, Krinkelt, jusqu'à la crête d'Elsenborn. C'est là que nous avons décidé de ne plus nous laisser faire. Le mauvais temps entravant le soutien aérien, nos hommes doivent compter sur l'artillerie lourde et sur leur cran. C'est tout ce qui empêche les Allemands de progresser plus encore dans les Ardennes. C'est bon les gars, vous inquiétez pas. On apporte l'artillerie pour contrer les Allemands. Il faut qu'on fasse en sorte de bien tenir notre ligne. Avant que les Panzers arrivent. Ok, allez. Donc très important, c'est de se dépêcher de faire des pièges anti-chars. Là où j'ai mis. Alors, on va améliorer ça ici déjà. Il voudra préparer des canons anti-char aussi, mais bon, ça on verra plus tard. Donc vous avez 2 minutes pour préparer. Alors, pièges anti-char là, c'est pour éviter que les chars, pour concentrer plus de chars ici, notamment véhicules légers. Une autre Browning, un canon. On va même de faire un canon de char. L'ambulance pour soigner vos troupes. Et même faire une autre escouade de d'échouement arrière pour capturer les 4 bunkers. J'ai été affecté à votre groupe pour fournir du soutien d'artillerie. Je me charge des appels de vos observateurs avancés. La division a assigné toute l'artillerie du bataillon à notre secteur. Les tirs d'appui sont en attente. Faites appel si besoin. Donc c'est vraiment un peu un contre-la-montre ma défense. Ok, je vous explique. Camion lourd en attente de déploiement. Camion lourd, normalement c'est un camion léger, mais il y a un petit bug. Ces derniers temps là-dessus, c'est pas trop grave. Écoutez, les gars. Échouement arrière, sont là, une nouvelle.
C'est bon. Mission de tir terminée dans 20 secondes. Voilà. Écoutez les gars. Allez les gars, c'est parti. Tenez-vous, entrez. Hop, hop, hop. L'une de nos positions de combat est sous des tirs. Notre position de combat est maintenant équipée. Les Boches nous ont mis en joue. Voilà, voilà. L'ennemi attaque une de nos positions. Voyez parler. On est sur. Ça évite en fait que l'ennemi attaque sur tout le Génie d'assaut prêt pour le combat. On est au console. Mettez Pianchar puis Barbelé, ça évitera en fait que certains véhicules traversent, détruisent Barbelé, puis après l'infanterie passe à travers. Allons les défoncer les gars. HS. Canon anti-char prêt. Canon anti-char spécialisé. Ah parfait. Et ça après camouflage je laisse ceux de la compagnie parce que c'est pas très important. On voit là ça s'est plutôt bien passé pour l'instant étant donné que l'ennemi m'a attaqué à un endroit unique. Autant en difficulté notamment en normal on s'en fiche, mais autant en difficile c'est indispensable. Sinon vous allez très vite vous faire submerger sur les côtés. À l'ouest de la route. Les Allemands y tiennent une position clé. Si on parvient à l'ouvrir, on pourra faire envoyer de l'aide dans cette direction. En place. Oh non. J'ai besoin de toi là. Après, à force de tirer des grenades à fusil, vous dégommerez vos barbelés, mais c'est pas encore trop grave. Une de nos positions de combat est sous des tirs. Et je vous rappelle que les officiers américains gagnent des galons quand des unités à proximité combattent. Regarde, on va avancer un tout petit peu, préparer les génies d'assaut. Il y a des ennemis ici, ici. Donc. Là, bien sûr, on voit aussi que ma expérience de la compagnie augmente. Ici, c'est ma force. Voilà. Donc, la mitrailleuse. Hein ? Là, par contre, j'apprécie pas. Ah, bah voilà. J'allais dire, c'est pas normal qu'il n'y ait pas d'unité, non? C'est parce qu'elle était planquée là derrière. Une de nos positions de combat est sous des tirs. Préparez-vous! Allez, vaquez-vous! Infanterie allemande! Allez-y! Allez-y! Des ordres! Avancez, bon sang! Un capitaine peut être utile. Un peu. Ça vous permettra de faire des canons de support. Des obusiers, voilà, chercher le nom. Parce que j'ai le nom allemand et canon de support, infanterie. Alors ce qui est important, 4 canons anti-char, puis après vous pouvez vous permettre de faire des canons de support. Obusiers, plutôt. Sinon, ça ira pas. L'ennemi attaque une de nos positions. Surveillez vos secteurs.
On continue, allez! En avant, en avant! Ajustez votre position! Les calibres 105 sont chargés! Parez à tirer! Vous enlisez pas une fois les lignes passées! Ah, mais c'est énervant, une IA qui fait pas comme d'habitude! Putain, en trois parties! Les canons du bataillon sont chargés et parés! Faites pleuvoir le plomb sur ces chiens! Infanterie ennemie! Infanterie ennemie! Défoncez-vous! Allez-vous en flanc! Voilà. Le capitaine, il va gagner des gains quand ils combattront à côté de lui, c'est bien. Un homme de perdu. Les Allemands tirent des fumigènes. Concentrez-vous sur ce nuage et préparez-vous. Ils arrivent sur notre flanc. À notre portée. Déplacez-vous vers ce point. Mangez-vous le cul. Allez, allez, plus vite que ça. Attention. Infanterie ennemie en force. En avant, en avant. Les obusiers et mains, je crois qu'il y en a plus de 4. L'ennemi attaque une de nos positions. Ils essaient de nous contourner. Sous les tirs, roches sont morts. Tu commences. Quand on a capturé la position, on va faire une série. Ils arrivent sur notre flanc. Préparez. Sortez. C'est bon. Beau travail. La compagnie Easy envoie du soutien. Préparez. Ils continueront d'envoyer des troupes aussi longtemps qu'ils pourront. Contentez-vous de maintenir la zone. Voilà. Bougez-vous le cul, go! Hop, sortez là, remets-vous! Et en compagnie Easy, ce sera des escouades qui se mettront ici et ici. Tu verras que ce sera toujours vos hommes, c'est ça en première ligne. Une de nos positions de combat est sous des tirs. Voilà, après, ils peuvent traverser à travers les bois, ça, j'y peux pas grand-chose. Je vais faire un petit Stuart. Ça me fera un petit véhicule de support d'infanterie. Non, c'est un petit véhicule léger, mais efficace aussi véhicule léger. C'est un petit tank léger quoi. Et j'utilise plus en support d'infanterie qu'en vraiment en tank versus tank. C'est efficace côté véhicule léger, mais c'est tout. Pas trop demander. Voilà, eux ils arrivent avec des bazookas et des fusils équipés de bas. Les canons du bataillon sont chargés et parés. Faites pleuvoir le plomb sur ces chiens. C'est ça, mais pas, je n'ai pas l'utilité pour l'instant d'utiliser la compétence donc. Et je m'en doutais en plus de grenade. Et dire, ah,
Est-ce qu'ils vont balancer une grenade? Voilà. Ça complète bien la défense, hein, ces unités-là. Il y aura un objectif secondaire qui se débloquera dans un vide, c'est pour ça que je prépare déjà mon petit tank. Je vais récupérer. Les unités dans votre zone ont désactivé un char. Trouvez-le et détruisez-le avant que les Allemands ne soient prêts. Ok, carrément un tank. Qui est juste. Je suis obligé de garder en priorité la ligne de renfort. Je vais pas vous mentir. L'ennemi attaque une de nos positions. Si j'ai pas ligne de renfort, j'aurai pas de renfort de mes alliés. Donc ça pose problème pour la suite. Y'a pas mort d'homme. Mais ça complique la tâche. Eux, par contre, je peux me permettre de replier. Par parce qu'ils ont fait leur travail. Hein, Une de nos positions de combat est sous des tirs. On essuie des tirs. Nos gars ont besoin de soutien. Arrosez la zone, allez. L'ennemi attaque une de nos positions. Canon principal, feu. Ça leur apprendra. Ils ont tous été descendus. Mais c'est planté de barrage. Les canons du bataillon sont chargés et parés. Faites pleuvoir le plomb sur ces chiens. Moi, que je vais faire le barrage là en fait. Défoncez tous les blindés ennemis. Batterie anti-char, feu sur les cibles. L'ennemi attaque une de nos positions. Brûle, sale fils de pute. Gagner de l'expérience pour ma compagnie, ce qui est pas plus mal. Ordre d'avertissement. On se fait arroser, la détruit. Continuez comme ça. Une de nos positions de combat est sous des tirs. Section,
équipage, réduisez-les en miettes. Tirez sur les cibles dans cette zone. Ouais, c'est plutôt efficace quand même ce barrage là. Les deux sont efficaces, hein. Vous voyez, vous abusez, il est déjà 11 kills, le mortier est encore à 0 mais arrivé après. Par contre, lui, il va me faire sauter ça, c'était pas prévu. Vraiment, ces canons d'assaut qui sont problématiques. Une fois que vous les avez contrés, il n'y a pas de souci pour se défendre. Davantage d'éléments avancés d'Easy viennent d'arriver. C'est bon, était trop bon. Le bataillon rapporte que l'artillerie a épuisé ses munitions. J'ai utilisé aucun tir, mais bon, c'est pas grave. Il n'y a plus de munitions que je n'ai pas utilisé, c'est pour dire. Bon, au moins Easy arrive, donc ça me rapportera des troupes en plus. Parce que pour l'instant c'est ça qui me manque. Le Panzer IV Lanzo sera pas un problème. Voilà. Ouais, bah, elle devrait se dépêcher, l'aide, parce que, à mon avis, ce qu'ils vont retrouver, ça continue dans cet état, il n'y aura plus rien. Ouais, j'ai perdu que 6% de ma force actuellement, qui est rien du tout. Pour cent, c'est rien du tout. Comparé au 56% du premier coup que j'ai fait cette mission vétéran, enfin, c'était ma toute première partie. Je veux dire, c'est vraiment acceptable. Hein. Tenez vos lignes! Les renforts sont presque là! Fais-moi ces blindés! La batterie anti-char tire sur les cibles en vue! Ah mais j'ai pas des trucs chars. Ouais. Ok.
mais c'est bon. Voilà, ça c'était la dernière vague. J'ai pas perdu tant de trucs que ça, je peux me finir en 95. C'est rien du tout, mes pères. C'est bon, les gars, c'est dans la boîte. Vous avez fait du super boulot. Et bon, c'est plutôt bien passé, je suis content. C'est... En plus, objectif secondaire, j'ai plutôt bien réalisé sans trop de soucis. Voilà, j'ai perdu 9 de force, j'ai gagné 47 en vétéran. Ah, oh, bon Dieu. Oh, excusez-moi. Regardez. Désolé, mon père, une bouteille de bon whisky me fait toujours de l'effet. Et c'est rare de nos jours. L'hiver permet de chasser les idées noires. J'espère que ça vous dérange pas si je vide mon sac. Vous savez, je hais la guerre. Plus que les autres. Vu que je m'en suis tapé d'eux. Mais j'aurai toujours une tendresse particulière pour les gamins qu'on envoie au front. Ce sont des durs à cuire. Ils sont bien battus sur cette crête. Ouais. La trouée de Loshheim est sécurisée. J'espère que les hauts gradés se rendent compte du boulot que mes hommes fournissent. Mais ça m'étonnerait. Ah, à quoi bon? Ordre pour le capitaine Edward, compagnie B. Lancer une attaque. Une action de soutien immédiate sur le site de Baston. Sécuriser un passage à travers une ligne allemande pour offrir de l'aide aux défenseurs. Mais ça sera dans le prochain épisode. Vous dépassez en coup de... un peu de dégâts à votre compagnie, vous perdrez 5 de force. Sauf que, voilà, nous avons fait une bataille plutôt longue. J'espère que vous avez passé un grand moment en ma compagnie. Je vous dis à une prochaine fois. Nous irons aider Baston, nous irons secourir Baston. Mais ça sera dans un prochain épisode. Je vous dis à une prochaine fois, d'ici là, portez-vous bien. Et à ciao tout le monde!